Bonjour, bonsoir et bienvenue à QSD. Nous sommes à Londres, en Angleterre. L'équipe de QSD est venue à la rencontre d'un Camerounais peu ordinaire. Il s'agit de Albert Noamosomo qui poursuit depuis sa tendre enfance sa légende personnelle de balafoniste. Dans un instant seulement, nous allons le retrouver dans sa petite ville de Bourne, située sur la côte sud de l'Angleterre. De bon, nous avons les grandes boutiques. De ville de Bournemouth. Voilà une église de Bournemouth. Il y en a plusieurs dans la ville. Voilà le centre, le cœur même de Bourne. Voilà, donc une petite balade à travers Bournemouth. We'll just go right to stop so that we can have a view at the public trail. C'est ici que vit Albert Noamosomo et son épouse Julie. Aujourd'hui, Milena, leur unique fille et son époux sont venus leur rendre visite.
Ce sont des retrouvailles en famille. Hello, come in. Nice to see you. See you now. Hello. Hello. Hi, Melina. How are you? Well, thank you. Hi, Joel. Hi, Lily. Prenez place. Oui, c'est parti. C'est très bien. Wonderful, wonderful masters. Découvrez une facette unique de la culture africaine. Alors, Marine Balafon. Il y a beaucoup. Voilà, beaucoup. Voilà. Yeah, that's right. Beaucoup de pays, mais il n'y a pas le Cameroun. Yeah. Voilà, il n'y a pas le Cameroun là. Fantastique. Voilà. Eh bien, nous allons présenter dans le Balafon Camerounais aussi. Là. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Very good. J'ai aperçu ça ce matin. Je sais. Ah, ok. Excellent. Quelques copies. Voilà. Actually, I'm. Merci. Ah, en plus, c'est très bien. Yeah, oui, j'ai vu le website. Tu as vu ce site? Non, j'ai pas encore, mais c'est très bien. Nous allons nous brancher dessus. Hein. C'est bien. Ah, voilà. C'est cool. Le balafon, j'ai mis mon balafon et j'ai le mien là. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Je vous ai dit qu'on est en train de préparer un. Un programme, là, un film. Là. Ah, voilà. Et le programme, le titre, c'est ça. Jamais sans mon balafon. Ah, et ça tombe très bien. Uh-huh. Balafon. Balafon. Ali Mané, Kéva Mané. Et c'est sur plusieurs artistes ou c'est seulement sur toi ou... Oh, c'est un peu. On appelle. Enfin, c'est l'itinéraire. Hein? Ah, le parcours. Mon parcours avec le balafon depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Dommage, je n'ai pas poursuivi ma carrière en tant que danseuse de balafon. Ah oui, tu dansais bien dans le temps. En Angleterre, depuis plus de deux décennies, Albert Nomme Sommer vit essentiellement de son balafon à travers une activité débordante. Ce que je fais généralement, je vais dans des institutions, des écoles, des lycées ou des collèges. Et là, j'amène mes instruments de musique. Notamment des balafons, ensuite des tam-tams, les minkoul de chez nous, ou bien les minbe, les tambours. Maintenant aussi, j'associe le djembe qui devient très populaire. C'est un petit tam-tam d'Afrique occidentale qui est très populaire à travers le monde. Donc j'amène tous ces instruments et les enfants peuvent donc jouer dessus. En même temps, je fais les contes, les chants. Voilà, ça c'est le premier, c'est ce qui est très très populaire. Underneath there are gourds, so there are dried fruit. They are hollow inside, they've got big holes. They are just big holes inside. Yeah, they're real dried fruit. But this is the basic rhythm we're going to learn today. Just add it. Ensuite, dans certaines institutions, surtout au niveau des établissements scolaires, on m'appelle parfois pour faire des conférences ou à l'université. Donc, vraiment,
je peux dire que je me produis pratiquement de la maternelle à l'université. Et non seulement dans ces milieux, mais aussi dans les centres de sociaux, parfois les centres des handicaps, et, ou encore les maisons de retraite, voilà. Même des asiles, même les prisons. Partout où les gens savent que je peux venir apporter cet élément de différence de la culture d'Afrique, on m'appelle et puis j'y vais toujours de bon cœur. Pour être tout à fait complet, Albert Norm Soma dispense aussi des cours de balafon à domicile. Good, good, good. We're going to have a lesson? Yes. Fantastic. Okay. Voici le balafon de Lizzie, mon élève de Bournemouth. J'ai dû fabriquer ce balafon moi-même parce que les boutiques où on peut acheter les balafons, il n'y en a pas beaucoup. Ça résiste presque pas à des balafons comme celui-ci. Élisée est mon élève de balafon depuis bientôt 2 ans. Très talentueuse. I'm saying you are very, very talented student. Donc. Thank you.
Voilà, une très belle journée. Et Julie et moi, nous sommes venus rendre visite à mon élève Lizzie. Ici, nous sommes dans la banlieue de la petite ville de Christchurch, qui est juste à côté de Bournemouth. Et nous sommes près des lagunes de Christchurch. La mer est beaucoup plus loin, par là-bas, à gauche. Et la ville de Bournemouth, c'est à l'ouest, par ici. Alors, nous jouons, we play. De votre balafon? Ça a pris du temps, tout simplement parce que je n'étais pas connu. Mais actuellement, je ne vis que de mon balafon. Très souvent, Albert Noam-Soma et son épouse Julie fuient le rude hiver anglais pour venir se ressourcer au Cameroun. Après les avoir suivis à Bournemouth en Angleterre, nous les accueillons aujourd'hui ici même à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène. Et pendant plusieurs jours, l'équipe de QSD va les suivre pour comprendre d'abord et vous expliquer ensuite leur parcours et leur bonheur de vivre ensemble malgré leurs différences. C'est une petite localité, anciennement c'était l'arrondissement d'Okola. Nous sommes à 48 km de Yaoundé. Alors l'accès par ici, nous allons sur l'ancienne route de Douala, 30 km, et puis nous piquons à droite, nous faisons 18 km, et vous arrivez à Adjap. Adjap, c'est un arbre. Je pense que c'est l'arbre qu'on appelle le Moabi, un arbre précieux. Voilà, qui produit des fruits et puis une amande dont on extrait une huile très précieuse, l'huile de karité. Je suis né ici à Adjap en 1947 et j'ai fait 6 ans dans la maison paternelle et le nom que je porte, mon prénom étant Albert, on m'avait donné le nom d'un de mes oncles. Alors, tout le nom, Albert Assomo, et puis ce nom, par la suite, a été déformé par les gens qui écrivaient l'acte de naissance. On a mis le nom de mon père avant, Noah, et Assomo, on a transformé en Messomo. Bon, donc ça, c'est la petite histoire pour mon nom. Parlez-nous un peu de vos parents. Mon père a donc été boy cuisinier des pères à la mission catholique de Londres. Il a travaillé avec eux pendant un certain temps et après il est revenu au village pour faire la culture de cacao. Donc mon père était planteur du temps où je suis né. Et quant à ma mère, elle a toujours été ici, enfin, à la maison, femme comme en Afrique. Elle s'occupait donc des plantations et ma mère a eu une dizaine d'enfants. Nous sommes 7 vivants maintenant. J'ai 3 frères, 3 sœurs. Dans notre village ici à Djap, quand j'étais jeune, il y avait un groupe de balafons.
Et ce groupe de balafon appartenait plus ou moins au chef. Mais le meneur, c'était, il s'appelait Charles Nkuda. Et très souvent, nous allions écouter Charles et son groupe chaque fois qu'ils jouaient. Et très souvent, ils jouaient parfois pour aller même pour réveiller le chef. C'est-à-dire, ils allaient jouer très tôt le matin pour que le chef se réveille dans des bonnes, dans des bonnes grâces. Ils jouaient donc pour le chef. Et quand il y avait des cérémonies, ils jouaient. Et souvent aussi, quand l'administrateur européen de Kola venait, les balafons allaient l'accompagner. Donc le balafon était vraiment très en vogue. Et puis toutes les fêtes, le balafon jouait. Alors j'avais pris vraiment un très grand goût, j'aimais beaucoup la musique, j'étais fasciné. Et de plus, à Akok, de l'autre côté, il y avait un autre groupe. Donc à notre époque, il y avait beaucoup de groupes de balafon. Et à Akok, il y avait un génie, quelqu'un qui était vraiment génial, il s'appelait, de son vrai nom, Changazuga, mais il avait le surnom de Mbondi. Nous, on dit ici Mboni, c'est-à-dire le créateur. Alors, moi, c'était mon idole. Quand il y avait un spectacle ou un événement, un dimanche de balafon, nous, les petits enfants, moi particulièrement, nous, courions derrière le groupe, on suivait le groupe et on faisait semblant même qu'on jouait, même si on n'avait pas le balafon, on était à leur site, on les accompagnait partout. Et parfois, en bande, même sans balafon, à travers le village, nous faisions semblant que nous jouions du balafon. Et puis, je disais que j'étais Mbondi, j'étais le créateur, comme pour m'identifier, voilà, à ce chef d'orchestre. Et mon père, comme j'ai parlé de mon père un peu plus tôt, qu'il était beau cuisinier des missionnaires à Long, il n'était pas très content de me voir prendre ce goût vraiment passionné pour le balafon. À la limite, il m'interdisait vraiment de jouer au grand public. Ce qui fait qu'avec mes camarades d'enfance, souvent nous allions nous cacher sous les cacaoyères pour fabriquer des balafons un peu rudimentaires, mais jouer pour cultiver vraiment cet amour, cette passion du balafon. Et beaucoup plus tard, donc, quand j'étais à Macaq, secondaire, j'ai commencé à fabriquer des balafons. Mon premier balafon que j'ai fabriqué à Macaq, je l'ai fabriqué, je pense, en 1963. Et à partir de, j'ai fait un ensemble de balafons pour la chapelle de Macaq. Et j'ai fabriqué aussi pour d'autres institutions qui étaient en relation avec Macaq, par exemple à Ebolova. Et depuis lors, j'ai toujours fabriqué des balafons. J'en ai fabriqué plein dans ma vie. J'ai pris l'école primaire à Voie 1, qui est à peu près à 5 km d'ici. Et j'ai resté chez l'oncle Albert jusqu'au CE1. Après cela, je suis allé à Evodula, à l'école primaire d'Evodula de la mission catholique, où j'ai étudié jusqu'au cours moyen 1. Je suis donc revenu à la maison paternelle dans les années fin, je pense, les années 59. À Akok, l'école d'Akok qui est à 3 km d'ici, en allant vers Okola. Et c'est à Akok, quand j'étais à Akok, que j'ai eu mon CPE. Après cela, je suis allé au Juvenat des Frères du Sacré-Cœur à Anlong. Et de là, je suis allé à Macaq après une année. Et j'ai donc fait tout mon secondaire à au Collège Sacré-Cœur de Macaq. Après Macaq, je suis allé enseigner à Idea, au Collège Saint-Pédis. J'ai vécu la vie des Frères du Sacré-Cœur pendant 6 ans. Donc je suis parti juste au moment où je devais faire les vœux perpétuels. Alors j'ai décidé que bon, je devais retourner dans la vie séculière. C'était de mon propre gré. Après ça, donc, j'ai fait des études à l'École Normale Supérieure. Je suis donc sorti professeur certifié bilingue. Mais même à l'École Normale Supérieure, j'avais fait ma thèse, n'est-ce pas, sur le balafon.
ma thèse, enfin, mon mémoire était intitulé « Approche ethno-littéraire du balafon de Petit ». J'ai essayé donc d'analyser le balafon et de montrer que, puisque je faisais les lettres, donc j'ai essayé de montrer que dans nos traditions, n'est-ce pas, la musique est intimement liée à la langue et puis à la littérature. C'est-à-dire qu'on part de la langue à la musique et puis la musique aussi marie, n'est-ce pas, toutes les inflexions de la langue. Et à partir de là, non seulement ça, il y a aussi le fait que dans la musique du balafon, il y a toute une littérature. Donc il y a des thèmes, lyriques, vous trouvez du panégyrisme là-dedans. On loue par exemple les vertus d'un chef, il y a encore la satire, on peut se moquer de quelqu'un. Donc il y a plusieurs thèmes développés dans le romantisme aussi, tu vois, dans la musique de balafon. Donc c'est ce que j'avais fait dans cette approche ethno-littéraire. Donc il y a les coutumes aussi, à travers ces chants, ça nous renvoie à des coutumes particulières. Il y a même des chants initiatiques, par exemple sur la circoncision, à partir des chants du balafon. À la recherche scientifique pour faire la recherche en ethnomusicologie. Ce que je dois dire, ce qui est remarquable, c'est que ma passion pour la musique n'a jamais eu de trêve. Que ce fût le Juvenat, le Collège Sacré-Cœur, le Collège Saint-Pédis d'Edea, l'École normale supérieure, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, j'ai toujours eu la passion pour le balafon. Le balafon a toujours été là. Pour en jouer et même pour en fabriquer. Je pense que dans ma vie là, j'ai fabriqué plus d'un millier d'instruments comme celui-ci. Parce que j'enregistrais tout. Des gens qui faisaient des commandes. Et même quand j'étais à l'école normale supérieure, vers la fin, j'avais créé donc un orchestre de balafon appelé Menjamé Kumajap, en référence à mon village natal, Adjap. Et avec cet orchestre, donc, j'ai fait des concerts, des manifestations publiques ici, notamment à Yaoundé. Et nous nous sommes produits aussi à l'étranger, à des festivals, notamment en Allemagne. Je pense deux fois, on a fait pratiquement le tour de l'Allemagne, on était même allé en Autriche. Je suis allé en Europe. En Grande-Bretagne, en mars 1994. Et je m'y adapte très très bien, parce que déjà j'avais passé une année en 1976-1977, pour mon stage linguistique en anglais. Bon, c'est cette année-là aussi que notre premier fils est né. Et je m'adapte donc, je crois, très bien, parce que bon, après avoir essayé de trouver un emploi d'enseignant là-bas, je me suis rendu compte que comme j'avais fait tous mes diplômes au Cameroun, que ces diplômes n'avaient pas beaucoup d'équivalence là-bas. Alors on m'a fait plutôt comprendre que les portes étaient plus ou moins fermées pour moi pour que j'enseigne. Voilà. Mais comme j'avais plus d'un tour dans mon sac, plus d'une corde à mon arc, j'ai donc commencé à présenter la musique traditionnelle. À te lancer qu'après 10 ans maintenant, je peux dire que je me suis très bien intégré dans la société parce qu'on accepte très bien l'art que je présente par la musique, le balafon, ensuite les tam-tams et les contes. Parce que je fais aussi les contes. Je conte, je chante, je fais avec l'ombette, un peu comme dans la tradition là, des fans d'Eti. Voilà pour l'histoire et le parcours de Noam Soma. Mais quand et comment a-t-il rencontré Julie, la belle anglaise? Nous nous sommes rencontrés en Pays Bassa, au Collège Sacré-Cœur de Makak. Et Makak en Bassa, ça veut dire les promesses. Alors c'est là que nous nous sommes rencontrés. J'ai enseigné
après mes études, j'ai enseigné au Collège Sacré-Cœur, Macac. Et Julie était donc venue comme volontaire AIVS, qu'on appelait dans le temps, sorte de volontaire du progrès. Et elle enseignait dans l'anglais. C'est ainsi que nous nous sommes vus pour la première fois en 71. Et nous nous sommes mariés 4 ans plus tard. Moi, je vais finir mes études à l'université à Londres. Et c'était un peu à l'époque où, disons que les jeunes voulaient changer un peu le monde, essayer d'avoir un meilleur équilibre du point de vue commerce et puis beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu apporter une contribution à ce changement pour un meilleur monde. J'avais fait la demande d'être volontaire et c'est eux qui m'avaient dit, bon, nous avons un poste d'enseignant au Cameroun, dans un endroit qui s'appelle Macaque, professeur d'anglais. Alors j'ai dit, mais tiens, où se trouve le Cameroun? Vous savez, les Anglais ne sont pas très forts en géographie. Alors j'ai vu sur la carte et puis j'étais très, très heureuse, très contente. Découvrir l'Afrique, pour moi, c'était une joie, quoi. Alors vous arrivez à Macaque? Oui, oh, j'ai trouvé... tout était très, très, très différent à l'Europe. D'abord, il faisait très beau, très chaud. Bon, et puis, bon, la nature est magnifique au Cameroun. La nature est très belle dans la forêt. Et puis, les hommes aussi? Disons que j'étais une jeune demoiselle. Donc, j'ai trouvé effectivement que les Africains, c'était pas... Au Cameroun, c'était pas comme les Africains que j'avais pensé découvrir. Parce que dans les médias européens, souvent, les Africains sont vus comme des gens qui font de la guerre, qui sont très pauvres, qui sont tristes, qui sont malheureux, qui n'ont pas assez à manger. J'arrive au Cameroun, qu'est-ce que je découvre? Un très beau peuple, des gens très aimables, très ouverts, en train de sourire, très heureux. Enfin, c'était le contraire de ce que j'attendais, quoi. Alors, monsieur Noah, disons que je me disais, pas mal. Il vient perdre son temps ici. J'avais dit aussi la même chose. Pas mal. Étant donné que nous vivions en communauté, c'était à l'internat, nous nous voyions assez souvent. Et puis bon, disons que... Il faut dire les vraies choses. Nous étions donc des jeunes et puis nous faisions beaucoup de sport, la natation, le volleyball, le basketball. Alors, je pense que ça nous a rapprochés petit à petit. Oui, mais il faut dire que les dirigeants canadiens, c'était des frères canadiens, ils m'ont appelé une fois pour me dire que ça serait, je devrais en fait plutôt regarder les jeunes volontaires français. Parce qu'il y avait des volontaires français aussi qui étaient là. Et ils ont essayé de détourner mon attention vers d'autres personnes, mais ça n'a pas marché. Nous avons 3 grands-enfants et nous sommes maintenant grands-parents. Tous les prénoms de nos enfants, nous avons choisi des noms petits. Le prénom de l'aîné, c'est Etam. C'est la source de la sagesse. Parce que dans notre généalogie, il y avait un ancêtre qui s'appelait Etamfel. Donc, nous avons appelé notre premier fils Etam, la source. Et la fille, elle s'appelle Melena Julie Noamesomo, et maintenant Madame Iwole. Et Melena, pour ceux qui ne... Melena veut dire donc l'aurore, l'aube, le lever du jour, belle comme l'aurore. Et le dernier s'appelle Monty, c'est le petit seigneur. Très attaché à ses origines et à sa tradition, Noam Soma décide d'amener sa belle anglaise dans son village natal, Dadjab. Je voulais qu'elle voie là où j'étais, là où je suis né. Nous sommes à 48 km. Quand je l'ai amenée, je pense que c'était en saison pluvieuse. Ça nous avait pris 6 heures de route pour arriver ici, à Dadjab. Mais je voulais qu'elle voie exactement les conditions dans lesquelles je suis né. Je ne voulais pas lui donner une fausse idée, n'est-ce pas, de mes origines. Nous sommes arrivés ici et la maison paternelle
là où j'étais né, était encore en natte, en natte de raffia, la cuisine de ma mère en natte de raffia. Et nous avions dormi vraiment sur un lit rudimentaire. Alors j'ai lui dit, c'est ici que je suis né. Voilà des souvenirs inoubliables. D'abord, il fallait prendre la route de Yaoundé jusqu'ici, peut-être une cinquantaine de kilomètres, 5 heures de route. Alors des collines, des ravines, des routes presque impossibles, ça nous a pris donc beaucoup de temps. Et puis, c'était un peu inquiétant, mais c'était une aventure. Vous avez demandé où est-ce qu'il m'amène. Mais je me suis dit, mais nous allons jusqu'où en fait? Mais alors, ce qui m'a frappé, c'était la beauté magnifique donc, du paysage. Parce que la verdure, il est vrai que les gens qui habitent ici normalement ne se rendent pas compte de la beauté de la nature tout autour. Donc d'abord la route, ensuite la nature, et puis on arrive au village. Et puis c'était très intéressant parce que, bon, pour moi c'était une découverte. Et comme j'adore découvrir des gens, des endroits, c'était magnifique. Alors, la première nuit dans le noir. Mais oui, vous savez, c'était quand même différent. Parce que bon, l'obscurité n'est pas facile quand on est habitué à l'électricité, mais il y avait la clarté du ciel, il y avait des jolies étoiles, le ciel était magnifique, et puis aussi il y avait une clarté terrible, et la nuit et le jour. Bon, à l'intérieur de la maison, j'étais aussi étonnée de voir qu'il y a une maison pour la famille, et la femme a sa cuisine à part. Donc, pour une étrangère, enfin une européenne, une cuisine, un autre bâtiment pour une cuisine, c'était intéressant. Mais alors la cuisine étant d'abord pleine de fumée, pour moi je me suis dit, mais comment je pourrais jamais préparer dans un endroit avec tant de fumée et encore l'obscurité à l'intérieur de la cuisine. Donc je dois dire que c'était pour moi une découverte. Et puis la petite case, c'était une case. On a dormi donc sur une natte et sous la chaume, et la chaume qui avait aussi pas mal de trous, donc on pouvait voir la nuit à travers. Oui, mais c'était. Je dois aussi dire qu'il faut souligner l'accueil formidable de toute la communauté. Alors que moi, je suis une Tangane blanche et je viens de très loin, j'étais foudroyée de voir la joie. Et puis l'accueil et la sincérité, les gens m'ont très, très, très bien accueilli, avec amour et joie. Mais dès qu'on a warming tout, comme la pluie. Oui. À tes quoi pour l'assis? C'est pourquoi je suis venue. L'accueil comporte la joie, la musique, la danse, le mayomelen, le vin de palme, et puis bon, de la nourriture, des montagnes. Encore une chose, européenne, préjugée, ou disons, j'avais pensé qu'on allait trouver donc des gens maigres et affamés, ou disons, un peu tristes, mais non, j'ai jamais vu autant de nourriture de ma vie, ni en quantité, ni en qualité. Parce qu'ici, les gens travaillent beaucoup et ils font très bonne nourriture. Alors c'est maintenant, pour aller puiser de l'eau, pour se laver, comment vous faites? Mais c'est formidable maintenant, parce que nous avons donc un puits juste à côté, nous pouvons avoir de l'eau là-bas. Autrefois, il fallait aller au fin fond d'un ravin, mais j'ai parti avec un seau comme ça, et pour remonter, c'est terrible. Arrivé au village, je finissais par avoir de l'eau comme ça. Donc, je n'étais pas très efficace pour puiser de l'eau. Mais mes enfants, on a adoré puiser l'eau. Pour eux, c'était l'aventure, la première chose qu'ils voulaient faire. Alors que les enfants du village ne veulent jamais puiser l'eau, mais nos enfants voulaient puiser de l'eau. Oui, sur la tête. Et j'ai tout essayé de bien, bien garder de l'eau sur la tête. Je n'ai jamais réussi. Et la première nuit. Oui, mais la première nuit, on était d'abord fatigués hein, après ce long voyage. Mais oui, c'était, il y avait du charme. Et je pense qu'avec l'accueil des gens, bon, le reste, bon, l'obscurité, bon, le confort physique, c'est peut-être parfois secondaire pour moi, personnellement. Parce que le côté humain est aussi très, très important, je vois, pour moi. Donc,
Et comment vous communiquez avec votre belle famille? Bon, alors, ce que nous faisons, alors, ce qui est très bien et intéressant, c'est que ma belle-mère est en fait d'origine Ewundu. Bon. Et j'ai aussi une belle-sœur qui parle beaucoup Ewundu. Et puis, il y a les Eton. Alors, chaque fois que j'essaie d'apprendre quelque chose, il y a le problème de mélange, parce qu'en fait, c'est deux dialectes, pas un. Mais ma belle-mère qui est Ewundu me gronde, parce que je ne parle pas Eton, mais elle-même, au village Eton, parle Ewundu. Non, disons que j'ai quelques petits mots. Quelques petits mots d'Ewundu et d'Eton, mais il y a toujours des gens autour qui me font la traduction, quoi. Mais non, mais je peux m'exprimer quand même, pas mal de petites choses, quoi. Okay. Okay. Et quand vous revenez comme ça, de temps en temps, oui. C'est pour vous ressourcer, ça vous rappelle oui. Quand vous revenez comme ça. Mais enfin, il faut dire que quand on est maman et grand-mère, il faut comprendre que c'est bien si on peut rendre hommage à la maman de mon mari. Et puis bon, c'est notre village. Et nous aimons venir dans notre village. Donc, disons, il y a un sentiment que j'appartiens ici. Et puis aussi le sentiment d'amour aussi du village. C'est un très bon village. Je m'estime chanceuse. J'ai de la chance, je trouve, d'avoir un village où les gens sont bien. Les gens sont très gentils. Très bien. Et puis, on se sent bien à l'aise. J'ai de belles sœurs et des beaux-frères formidables. On s'entend bien. On se chamaille beaucoup. On se gronde. Mais on est bien. On est chez nous. Vous avez oublié votre village d'Angleterre? Non. Est-ce qu'on oublie son village? Ah non. Ah non, 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 non. Je ne suis pas une personne qui veut prétendre d'être 100% Ngoneton ou Menigeton. Je ne suis pas. Je suis Eton, mais en même temps d'origine galloise. Donc, mes origines, je ne peux jamais oublier. Et c'est ce qu'on essaie d'enseigner à nos enfants. Vous avez des origines anglaises, galloises, Eton, Bassa et Wondo. Il y a tout ça dans nos enfants. Donc, ça fait un bon métissage. Un bon métissage, justement. C'est un cocktail. Pas molotov, mais c'est un cocktail. C'est que il faut découvrir les gens d'autres pays avec une ouverture d'esprit et puis d'essayer de comprendre que chacun est différent et que les différences sont des différences, qu'il n'y a pas de meilleur ou de pire, que les choses sont différentes, les gens sont différents, les coutumes sont différentes. Et il faut essayer de comprendre et de ne pas juger. Il faut apprendre et comprendre. Apprendre et comprendre les autres sans préjugés et sans a priori, c'est l'une des leçons que nous retenons de cette belle histoire d'amour vrai entre Albert, le Camerounais, et Julie, l'Anglaise. Qu'est-ce que vous a apporté dans votre vie d'homme, Julie? Julie? Oui. Ce qu'elle m'a apporté, c'est, comme elle me l'a dit, vous savez, quand on se marie, quand on fait cette sorte de rencontre, on peut appeler ça métissage culturel, mais ce n'est pas toujours le métissage. Il ne peut plus y avoir clash. Par exemple, vous allez d'un côté et puis votre partenaire plutôt tire le pain de l'autre. Là, avec Julie, vraiment, ça a été une sorte d'osmose parce qu'elle m'a supporté, pas supporté dans le sens de, mais dans soutenu. Le sens positif, soutenu, voilà. Elle m'a soutenu depuis les débuts. Bon. Je peux dire que pour moi, comme c'est une passion, on peut me dire que c'est une folie. Parce que quand on aime quelque chose, on dit j'aime quelque chose à la folie. Et le soutien qu'elle me voue pour cet art, elle me dit parfois avec un peu d'humour qu'elle sait qu'elle est second rang. Elle est le second rang. Donc quand vous dites jamais sans mon balafon, alors de quel balafon il s'agit? Ah bah, quand je dis jamais sans mon balafon, vous savez, pour tout artiste, aussi pour tout, quand on dit grand homme, entre parenthèses, il y a toujours une grande femme. C'est-à-dire, il y a toujours une muse, hein, n'est-ce pas, qui vous inspire. Donc, jamais sans mon balafon, les deux vont ensemble. Parce que nous vivons vraiment ceci depuis de très longues années. Donc, Julie m'a été
Elle m'a toujours été de très grand soutien avec même le Medjame Koumadja. C'est elle qui faisait les costumes, les contacts pour des choses comme ça. Et en Europe, en ce moment, c'est elle. On blague, c'est elle ma secrétaire particulière, c'est elle qui fait tous les contacts. Et puis, donc, nous vivons très très bien. Quand les gens me voient au Cameroun, ils pensent, c'est peut-être avec un peu de condescendance, parfois un peu de pitié, qu'est-ce qu'il fait avec cette histoire-là sur son épaule? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui porte un balafon sur l'épaule. Oh. Pour moi, c'est jamais sans mon balafon. Je vais dans l'avion, j'ai mon balafon sur l'épaule. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, c'est quoi, tu portes un balafon? Mais je dis, mais c'est un instrument de musique comme un autre. Parce que quand vous voyez des autres, des Européens qui arrivent ici avec une guitare sur l'épaule, ou bien... c'est pas quoi, un accordéon. Voilà, là, ou l'accordéon. On trouve ça normal. Pourquoi est-ce que ce sera normal qu'on ait un balafon? Est-ce que ça ne vous dérange pas de jouer comme ça à plein carrefour, à Yaoundé? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, la tradition du balafon chez nous, comme les musiques chez nous ici, ça se joue en plein air. Ça ne me gêne pas du tout. Même si vous me mettez au stade Omnisport, je serais à l'aise. En Europe, c'est tout à fait différent. Quand je passe quelque part avec mon balafon, alors ça suscite un très grand intérêt. Les gens me demandent, c'est quoi? Est-ce qu'on peut écouter? Donc, c'est toute une autre attitude. Nous-mêmes, les Africains, en général, nous regardons d'en haut nos traditions. On pense que ce qui est bien, c'est seulement ce qui vient d'ailleurs. Par exemple, les musiques européennes, le piano, c'est pas le violon. Et la guitare classique. Après nous avoir permis de feuilleter le grand livre de leurs souvenirs, Albert et Julie, après s'être ressourcés au Cameroun, s'apprêtent à regagner, la main dans la main, la petite ville de Bob, sur la côte sud de l'Angleterre. Le message que j'ai à donner, c'est que il faut être fier de ce que nous sommes. D'abord, j'ai remarqué que le balafon est en train de reprendre vie. Alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de groupes et que les gens prennent plaisir à se faire à avoir les balafons pour leur fête, leur manifestation. C'est une bonne chose. Donc la jeunesse doit vraiment continuer sur cette lancée et puis pratiquer ces musiques traditionnelles qui sont notre richesse. Et l'autre message que j'aimerais donner, c'est que cet effort mérite que tout le monde, les autorités comme les populations, soutiennent les artistes. Parce que très souvent, les artistes ne reçoivent pas leur compte quand ils jouent, ils travaillent, mais très souvent, ils ne perçoivent pas quelque chose qui les encourage. Donc, il faut les encourager, leur donner une bonne rémunération, des encouragements. Et c'est le message que j'ai à donner. Eh oui, le message sera bien relayé. Et ce message, il est clair. Nous devons tous valoriser notre culture et être fiers de la présenter au grand rendez-vous du donner et du recevoir qu'est la mondialisation. Quiz d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie pour votre fidélité et pour toutes vos suggestions. Continuez à nous écrire à jean-maternindier@yahoo.fr.
Bonsoir. De la constitution de notre pays qui date de 1996 et qui a été revue récemment au cours de la session du mois d'avril. Le parlementaire est celui qui légifère, donc il vote les lois et le parlementaire contrôle l'action du gouvernement. Ça c'est vraiment en théorie. Le parlementaire est donc élu dans une circonscription donnée pour faire ce travail. Généralement,